l'ouverture de cette troisième session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les pays membres de l'Union européenne me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat à travers des projets d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord, en vue d'orienter l'apport souhaité dans les secteurs que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme défendu et adopté à l'Assemblée nationale. Le dit programme s'appuie sur des piliers fondamentaux